Alors souvent les boîtes elles se présentent comme ça là. Donc, ça dépend les modèles, mais voilà. Un petit trou là. Tu prends le machin qui ressemble à ça, et tu le mets dans le petit trou. Ça, c'est ton plan de travail, tu vois. C'est ton labo. Ouais. Après, tu chopes le machin qui est dans une espèce de pochette comme ça. Et ça va être le truc final, tu vois. On va être des gouttes là-dedans, mais on va y revenir après. Parce que chaque chose a son temps. Ah, l'écouvillon. Oui. Voilà, donc l'écouvillon, c'est le truc que tu vas te foutre dans le pif. Et ben c'est tout, il n'y a que trois trucs. Hein. Le réceptacle, l'écouvillon et ben, le test lui-même, quoi. Je me prépare mon petit tableau et voilà. Alors, on ouvre. Alors, attends, je vais préparer parce que moi j'ai ça à enlever. Voilà le truc compliqué. Mais du coup, je vais le faire. Je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux? Un plat, ça, tu te le chopes. C'est voilà, je le vise bien. Tu te le fous. Alors, c'est mieux quand tu lèves la tête. Je sais pas pourquoi, mais les gens le disent. Donc, voilà, lève la tête, une narine. Tu te le places comme ça, là, à peu près 2-3 cm. Et hop! Là, c'est pas évident parce que c'est désagréable, tu vois. Hop, on tourne un peu, c'est chiant, du coup on va le virer. Ah, bon, ouais, c'est bien de prévoir des mouchoirs à côté parce que ça fait pleurer le pif. Les yeux, pardon. Et le deuxième. Oh, mazette. Ah, ça. C'est normal. Ensuite, tu mets le truc dans le petit tube. Tu remets un peu et le conseil. Attends. Dieu, comme crotte là. Eh, j'ai pas de mouchoir. Hein. Oh, c'est pas grave, on est plein. Alors, là, tu mets dedans, tu remues. Et la petite astuce, c'est que tu viens pincer là. Et en enlevant, plus bas, en l'occurrence, tu tâtonnes le truc plus bas et hop, pour écurer. Pour curer le truc, c'est pour bien les saurer en mode eh, allez, hop, comme ça il te laisse tout son suc. Allez, salope! Hop, sort de la cour et puis le reste tu le balances. Ensuite, ben après ça dépend des modèles, mais moi j'ai un machin comme ça, je le referme. Je remets encore parce que. Et c'est quand même. Mieux comme ça. Ensuite, bon moi j'ai un petit trou comme ça, mais il y en a d'autres, ils ont d'autres systèmes, mais grosso modo c'est le même principe. Alors comme voilà, tu vises le petit S là, et tu viens mettre, ils disent 3 gouttes. Attends, ça marche pas en fait, c'est de la merde. Ça marchait la dernière fois. Bref, faut foutre 3 gouttes dans le truc là, et tu te démerdes de comment, je veux pas le savoir. Voilà, moi je vais le faire comme ça. La dernière fois c'était plus facile, mais voilà. Bon, du coup, c'est une grosse goutte, hein, donc on va foutre ça. Hop là, voilà. On referme le machin. J'ai posé. Et ensuite, on attend 15 minutes. Alors, faut pas s'affoler si au début il y a une tache un peu bizarre qui va n'importe où là. C'est voilà, faut attendre un peu, c'est dégueulasse là, il y a de la crotte partout. Et voilà, et avec le temps, ça va s'afficher progressivement. Bon, j'avais un appareil comme ça en rab. Du coup, ben, j'ai fait double comme ça. Et comme ça, j'ai deux trucs. Au cas où c'est une qui déconne, ça fait double test, tu vois. Ah, je me le suis pas remis dans le pif, faut pas déconner non plus, mais j'ai remis la même substance. Et voilà, et apparemment, ça a l'air bien. J'ai l'air négatif. C'est bien.